Ça veut pas dire que c'est dans le titre que je pense à ça. Yo les bros, enfin on va parler d'une série française. J'avais mis une vidéo sur Mortel, mais c'est qui les acteurs qui parlent? Mais là ça fait plaisir, j'aime pas trop ma voix, mais tranquille. Alors aujourd'hui on va parler de Mortel, et ouais j'ai dit Mortel. On va parler de Validé, et je vais dire si c'est une mauvaise idée ou si c'est une bonne idée. Déjà la série, la saison 1, j'ai grave kiffé, c'était pendant le confinement, j'avais presque rien à faire, donc je me suis lancé sur la série. Là j'ai pas écrit ma vidéo, donc je fais un direct, mais bref, à chaque fois, chaque vidéo je dis ça, mais bref. Je vais vous dire à peu près c'est quoi Validé. En gros, c'est un mec, il est parti de rien, et il voulait devenir rappeur, c'était son rêve, mais sauf que y a des trucs en chemin, c'est pas facile d'être rappeur dans la série, et vas-y, on vit avec lui son aventure, tout ça, et ça va, si vous n'avez pas encore regardé Validé, allez regarder parce que c'est une série de ouf là. Une série française de ouf parce que, en général, les séries françaises, c'est pas top top quoi. Vraiment, pourquoi j'ai kiffé la série, surtout la photo, elle m'a grave attiré. C'est un truc de ouf, mais bref, c'est pas que ça. J'étais vraiment content quand la série était finie parce que j'ai découvert un nouveau artiste, un rappeur qui a des talents, qui est très fort. Avec Angela et... Qu'est-ce que je raconte? Ouais, c'est Angela, j'ai grave kiffé. Mais bref, et son clip aussi, Ali, j'ai grave kiffé. Bref, y a un truc, y a beaucoup de gens qui ont pas aimé de la photo de la saison 2, alors que moi, je suis en train de kiffer. En fait, il y a des gens qui disent, c'est une meuf qui va remplacer Attic ou Apache, comme vous voulez, et c'est pas bien tout ça, je comprends pas en fait. Pour moi, c'est grave bien, parce que les filles, dans le rap, ils sont très sous-estimés, enfin, ils sont, pardon, sous-cotés, pas sous-estimés, sous-cotés, de ouf. Donc, ça va faire plaisir, déjà, à l'artiste, si la fille, elle est pas trop populaire, grâce à Validé, elle va sauter de ouf, elle va être grave connue, comme Attic. Je suis content que c'est une fille en fait. Heureusement que c'était une fille, parce que si c'était un garçon, je sais pas comment ils allaient faire. Alors qu'une fille, on va dire, on aura plein de trucs. En fait, les filles dans le rap, je sais pas pourquoi, mais ils sont trop sous-cotés. Mais moi, je suis content. Franchement, vraiment, je suis vraiment content que c'est une fille. Franchement, je préférais. Je suis content que c'est une fille. C'est bon, voilà, je sais pas parler. Je crois dans un de mes actus séries, si vous connaissez pas, en gros c'est l'actualité des séries, parce que toute la semaine il y a, je crois j'avais dit la date que le tournage allait reprendre, ça a repris en septembre là, et pour la date c'est chaud, c'est sûr c'est 2021, comme Mortel ou plein de séries comme Lucifer, franchement. Je suis grave pressé de voir ce qui va se passer parce que quand même, Franck, il a pris des risques quand même. Il a tué l'héros principal de la série quand même. C'est fort de faire ça quand même. Franchement, si vous n'avez pas encore regardé comme tout à l'heure Validé, allez regarder parce que voilà, je vous jure, c'est une série de ouf. C'est un des premières séries françaises que j'ai vraiment kiffé. Il n'y a pas beaucoup, mais ça va, il y en a comme Mortel. Franchement, les gars, si vous venez de me découvrir sur cette vidéo, je parle sur plein de séries. Peut-être s'il y a beaucoup de gens qui kiffent les séries françaises, je vais commencer à parler sur les séries françaises. Mais en général, je parle sur les séries anglaises. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo. Désolé pour, il n'y a pas beaucoup de montage parce que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment avec mon lycée et tout ça. Mais bref, je veux pas que la vidéo dure 1000 ans. 4000, c'est suffisant. Et on dit peace. Et abonnez-vous!